sage m'a dit un jour qu'un héros sommeille en chacun d'entre nous, et que nous devons faire de notre mieux pour combattre le mal. C'est trop cool! Oh là là, j'aurais tellement voulu être un super-héros! Attends, mes parents me disent tout le temps que je suis capable de tout. Ah, tu es vraiment capable de tout, Elvis. C'est décidé! Moi, Elvis Riboldi, je vais devenir un super-héros! Un nouveau super-héros arrive sur le marché de la justice! Et son nom est... Heroic Man! Heroic Man va nettoyer cette ville! Un super-héros doit traquer les ordures de la société. Un super-héros n'a peur de rien. Un super-héros n'a peur de personne. Sauf des rats. Avoir peur des rats n'a rien de honteux. Ce sont des bestioles abjectes qui donnent des maladies. Un super-héros doit reconnaître l'odeur du crime. Le son du crime. Hein? J'entends le crime que j'ai commandé. Heroic Man doit intervenir. Laissez mes pop-corn tranquilles. Tremblez, créature malfaisante. Laissez ce garçon tranquille et... Le bien, la justice. Mes pop-corn. Ne me remerciez pas, mon jeune ami. Et rentrez vite chez vous, car les rues ne sont pas sûres. D'ailleurs, faut que je rentre, moi aussi. Mon père et ma mère vont me tuer si je suis pas là pour le dîner. Oh, mais t'es qui, toi, débilos? Qui je suis? Personne ne doit le savoir. Un super-héros doit garder son identité secrète. Car il sait que tout le monde serait prêt à tout pour la découvrir. Vous n'allez jamais me croire ce qui m'est arrivé hier. J'ai regardé Terreur dans la forêt 12, encore plus flippant que les 11 premiers films réunis. Waouh, comment il s'appelle? Personne le sait. Moi, je l'aurais bien appelé Toutou Junior. Il est mimi, hein? On dirait que mon secret est bien gardé. Pour l'instant, personne ne se doute de rien. Pourvu que ça dure. Donc, la racine carrée de pi... Ok, c'est bon, j'avoue, je suis Heroic Man. J'en peux plus de mentir à mes deux meilleurs poteaux. T'es qui? Boris, t'as lu le journal d'aujourd'hui? Évidemment. Tu sais bien que je fais les mots croisés depuis la maternelle. Bah, dis ça! Je le crois pas! Eh ouais, je sais. Bizarre d'apprendre que votre meilleur poteau est un super... Ils ont enfin trouvé une famille pour ces pauvres petits chatons abandonnés. Quoi? Mais c'est parce que... Il y a forcément quelque chose. Une nouvelle librairie vient d'ouvrir. Les Pulse Gladiators annoncent une nouvelle tournée. Ah, mais c'est trop génial, ça! Ah, mauvaise nouvelle, il y a que des bonnes nouvelles. Bah non, là, il y a marqué que les rats se reproduisent à une vitesse alarmante. Je confirme que j'en ai vu toute une tribu hier, bleh. Mais franchement, on s'en fiche complètement. Hé! Destruction mystérieuse d'une voiture hier soir. Le coupable a pris la fuite. Ah ah! J'en étais sûre! Cette ville est envahie par le crime et le seul remède qui puisse y remédier est... Je comprends rien à ce qu'il raconte. Moi non plus. Moi, ha! Heroic Man, défenseur de l'ordre et de la justice. Cette ville a besoin d'un super-héros pour pourfender le crime. On dit pourfendre. Mais au détail près que Heroic commence par un H. Ah, ah, ouh, ah, aïe, aïe. Ça sent surtout la super-catastrophe. On fera mieux de le surveiller. Cette oreillette va nous permettre de communiquer. Elle est munie d'un GPS pour te localiser. C'est bon, Emma? Tout est nickel. Je vous vois et je vous entends. Classe. Le grappin est un gadget essentiel pour les super-héros. Je te conseille de l'utiliser avec prudence parce que... Elvis, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je m'entraîne pour apprendre à le maîtriser. C'est bon, je le maîtrise super bien là. Icaria, c'est moi que v'là. Un super-héros doit avoir les yeux partout. Le crime, c'est comme une fève de galette des rois. On ne sait pas où et quand on va tomber dessus. T'as attrapé froid, Elvis? Parce que ta voix, elle est toute chelou, là. Je vais bien, je vais bien, t'inquiète. Oh, secours! T'entends ça? L'héroïsme entre en scène. Aïe.
ne dort jamais. La ville a besoin de lui. Il doit être prêt à intervenir au cas où. Fichez le camp, horrible créature crado. Des rats, des milliards de rats. Elvis, t'as pris au moins 14 douches. D'un point de vue scientifique, il ne peut plus y avoir la moindre particule de crotte de rat sur toi. Ça, je peux te le garantir, mon poteau. Grâce à mon petit bricolage, le prochain qui m'attaque va vite le regretter. Ouh, aïe, aïe, oh, ah, mais ça marche pas, ce truc. Aïe. Oh, le problème, c'est que ça marche trop bien, en fait. Ouah, aïe, aïe, aïe. J'ai bien peur qu'il n'y ait toujours rien sur toi, Elvis. Juste quelques incidents qui sont arrivés en ville, par-ci, par-là. Oh. Carambolage monstre sur une avenue, accident de vélo en centre-ville, une maison incendiée... Et la police qui pense que tout ça est l'œuvre d'une seule personne. Regardez. Toute notre brigade, composée de deux agents, est à la recherche de ce bandit. Le destructificateur, parce qu'il détruit notre magnifique cité que nous sommes terrorisés. Je vous remercie beaucoup de semer la panique chez nos concitoyens, mademoiselle. Ce destructificateur m'a vraiment l'air d'être... Excellent. Tous les super-héros ont un ennemi juré, et on dirait qu'Heroic Man vient de trouver le sien. C'est bizarre, on dirait bien que ce destructificateur frappe toujours exactement là où tu es passé, Elvis. Eh bien, destructificateur, Heroic Man va venir te botter le cul dès que j'aurai viré tous ces trucs. Elvis, t'es sûr de vouloir faire ça? On ne sait rien de ce destructificateur, il est peut-être dangereux. Tel est mon destin, à éradiquer le mal de cette ville que j'aime tant. On dit éradiquer, Elvis, et tu devrais prendre du sirop, t'es de plus en plus enroué, je trouve. Hey! Le destructificateur? Je crois que j'ai trouvé le destructificateur. Je me poursuis. Il vient juste de sortir d'une ruelle. Il prend la rue principale. Oh, le destructificateur! Police, on ne bouge plus! Confirmation visuelle, c'est le destructificateur. Tu es fait! Yeah! Je l'ai perdu de vue. Ma supervision oculaire est endommagée. C'est ce qu'on appelle la nuit, Elvis. Il a dû tourner à la prochaine ruelle. Il n'y a qu'une ruelle, Elvis, derrière toi. Ok, Elvis, il essaie probablement de se cacher. Essaye la prochaine ruelle à droite. Une bonne petite poursuite à l'ancienne. Qui nous rappelle à quel point les policiers se fatiguent vite. Oh là là, oh dis donc, et puis là ça coince de partout là. Elvis, cette rue est une impasse. Le destructificateur ne peut être que là. Bah, il est où? Au nom de la loi, je vous demande d'arrêter le courrier. L'identité secrète d'Heroic Man est menacée. Il faut vite que je me sorte de là. Exactement comme à mon entraînement. Oups. Elvis, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit d'arrêter le courrier. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Police, ne bougez plus. Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Il est où le destructurateur? Bah, y a personne ici à part moi. Je suis qu'un enfant tout à fait ordinaire qui joue dans une impasse en plein milieu de la nuit. Un sac poubelle qui gambade. Oui, et moi aussi, je ne suis qu'une personne ordinaire qui aime gambader dans les impasses la nuit. Il y a une loi contre ça. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas à l'évidence la personne que je poursuivais. Oh, je vais continuer mes recherches, moi. Mais si vous n'êtes pas le destructificateur, qu'est-ce que vous... Venez, mes trésors. Jennifer va bien s'occuper de vous. Vous donnez à manger à ces horribles bestioles répugnantes? Je te signale qu'elles sont bien moins répugnantes que toi, Riboldi. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu veux faire un petit bout de doigt à ta maman? Berk, je comprends pourquoi il y a de plus en plus de rats en ville maintenant. Mais on connaît toujours pas l'identité du destructificateur. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Quel petit jeu? J'ai toujours su que c'était toi le destructif machin truc. Une poubelle renversée sur la route crée un carambolage. Un employé de mairie tombe en voulant sauver une vieille dame perchée dans un arbre. Un enfant se fait accrocher par un grappin et crée un accident. Un barbecue devient fou et incendie une maison. Un véritable héros a toujours une part d'ombre dedans son intérieur. Elvis Riboldi, un héros, lol MDR, PTDR. Et le plus grand ennemi d'Heroic Man n'était autre que lui-même. Ton plus grand ennemi, c'est moi, Riboldi. Bon, allez, c'est pas tout, mais j'ai d'autres rats à nourrir.
Un vieux sage qui était ma mère m'a dit une chose une fois. Elvis Riboldi, un super-héros sommeille en chacun d'entre nous. Mais toi, s'il te plaît, laisse-le dormir.